réussir à rester collé. Dès que vous allez avoir passé ici, en jut, la main va se préparer dessous, vous allez glisser vers le centre. Faites attention à ça, hein, ne rentrez pas les doigts vers les yeux. Montez les doigts, passez en jut, ça va. Un, je suis sur place, et sur le 2. Ramenez cette main en même temps. Ramenez et présentez l'autre. En même temps, vous devez, vu qu'il est en train, il est en train de vous recadrer sur cette jambe. Un, deux, trois, repassez. Mais ça peut être aussi. Celui-ci, il peut sortir et revenir de la même manière. Thank you.
C'est une technique d'entrée, hein, d'attaque. Hein. On voit souvent une technique de défense. Comment Pika, c'est grave, c'est pas grave, c'est la même. Et il va falloir aller prendre le contact et rentrer tout de suite sur lui. C'est la même chose. Je vais aller vite, mais là, ce que j'ai utilisé, c'était ça. Et je suis passé. Vous voyez ? Mais au moment où vous rentrez sur un adversaire, vous devez structurer, vous devez protéger, vous ne devez pas rentrer n'importe comment. Donc, ici, un. Là, c'est un. Soit je vais monter, je vais descendre d'abord celui-là et après elle est là. Mais débutant, vous faites soit tous ces principes-là, c'est-à-dire 1, il attaque de l'autre, 2, 3, c'est la première déjà, à laquelle il faut s'entraîner. 1, 2. Là, je veux passer, je veux rentrer, il attaque en bas, 1, là. Et la deuxième, on dirait que ça serait 1, 2, 3. Là, il double garde. Premier contact. Deuxième contact, double garde. 1, 2, 3. Troisième, amusant. 1, ici, et je contrôle celle-ci. Parce que celle-là ne l'attaque plus, boum, je vais rentrer avec celle-là. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ça va? C'est déjà? Montez, descend. Montez, descend. Thank you.
celui-là il est en haut. Celui qui est en haut, vous allez me tirer ici. Vous allez tirer vers le bas. Chose. Ici, on va faire ça. Même s'il bloque ici, je vais reprendre celui-ci. Et...